Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Imperator Rome. Alors nous sommes en guerre en Ibérie. Chez le peuple des fabricants de chorizo. Pardon. On va... Ok, donc on va... L'objectif c'est de conquérir toute la région. Écoutez, hein. Alors là on va probablement perdre ces quelques mercenaires là. Ouais, je vais essayer plutôt de renforcer cette armée là. Donc du coup toi j'arrive pas à te choper, j'ai l'impression. Si là c'est bon. Là. Ah putain. Ouais si on devrait y arriver. Mais par contre 20 000 contre 8 000. Oula. Oui. On va faire ça. Religieux proceeding. Je comprends. Il y a c'est des choix bizarres parce que c'est des choix où tu sens que de toute façon t'as vraiment tout intérêt à faire un certain choix par rapport à un autre. Donc là le choix il est clair quoi. Bon du coup on devrait gagner cette bataille, par contre on va perdre celle-ci. Ça c'est pas grave, c'est des mercenaires. On va les enchaîner en venant probablement essayer de leur tomber dessus avec certaines de nos troupes derrière. Et on va voir, est-ce qu'on peut les choper à nouveau derrière? Non. Oh, oui ça on a perdu, on le savait. Ok, on les a pris là-haut, parfait. Non, on a quelques montagnes qui risquent peut-être de nous gêner. Hop. Ah bah oui, il nous manque un gouverneur ici du coup. Ok, on peut s'avancer encore. Oui bon, là ils viennent se suicider sur mes troupes. Par contre c'est moi où il n'y a quasiment aucun fort ici, il y en a un là. Oh merde. Ils sont encore en train de le reprendre celui-là. Donc ça c'était la baston contre... Oh, ok, je crois que c'était d'ailleurs le dernier reste de l'armée de Carthage, ils ont rien d'autre à mon avis. Ok, on a tué des barbares. Donc on a des troupes qui reviennent là-haut. Et pendant ce temps-là... Oh merde. J'espère que vous allez arriver à tenir là les cohortes. Oh remarquez, oui. On leur fait beaucoup plus de mal qu'ils nous en font. Notre tactique était meilleure que la leur. La guerre civile c'est lucide. Ah tiens, ce sont des demoiselles qui sont à la tête de leurs armées. C'est sympa. Et oui non, ça c'était des barbares. Donc ça les barbares on s'en fout un peu. C'est même pas nos barbares. Alors je vais prendre ces 14 000 hommes pour aller tuer ces 5 000 là. Ok, on a gagné le siège ici, parfait. Vous avancez les autres. On va prendre le contrôle de tout ce qui reste à Carthage. Alors du coup la Maurétania là. Est-ce que je peux lui demander... Ouais, l'accès ça va pas le faire. Au pire je lui fais la guerre vite fait. Une deuxième guerre. Il me faudrait juste un petit claim. Oui ça, ouais, j'ai suffisamment de points. Donc ouais, je vais patienter un peu. On va finir de prendre tout ça et puis avec ces trois armées on va s'occuper de cette Maurétania. Comme ça on va sécuriser quasiment toute l'Afrique du Nord au final. Hein. Ce sera la campagne d'Espagne et d'Afrique du Nord. Ok, on a réussi à les gagner là. Parfait. Donc ouais, je vais garder cette forteresse parce que s'ils la reprennent, c'est un peu l'objectif de guerre quand même. Donc du coup, ce serait dommage. Oh merde. On va essayer de voir si on arrive à les choper. Ouais, encore une guerre civile qui termine. Allez les Romains, tenez bon. Oh putain, ils sont 59 000. Bon ok, on a été défait. Et notre commandant a été... Et ils ont éliminé complètement l'armée, je crois, d'ailleurs. Fuck. Donc on va... Ouais. On n'était pas loin. Enfin non, remarquez, on avait encore une autre province à traverser. Donc non, on était très loin. Et là, le problème, c'est que quand même... Ok, la bataille est gagnée. Donc du coup, il y a le deuxième morceau qui est en train d'arriver pour engager le combat. On a perdu quelques... J'ai l'impression qu'on a perdu des légions entières, quoi. C'est-à-dire que quand le mec se fait capturer, est-ce que c'est toute la légion qui disparaît? Possible, hein? Oui, non, ça c'est... Ça correspond à que dalle, ça. Ok. On va finir ces deux morceaux-là, et puis ensuite on va venir là. Toi, t'en es où? Ok, continue à avancer. Ils vont encore me prendre ce morceau-là. Je pense que c'est pas grave. S'ils étaient un petit peu plus... Ils avaient tous attaqué vraiment ensemble, je pense que j'aurais perdu beaucoup plus d'hommes. Après, de toute façon, on a encore tout ça qui tient le coup derrière. Ok, on est encore victorieux. Allez, on va finir d'occuper Aurétania en entier. Alors du coup, au final... D'accord, là le... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? On va augmenter la croissance de la pop. Pas nous faire de mal, ça. Alors, de toute façon, quand tu vois la gueule de mon manpower, on a de quoi faire. On peut encaisser, quoi. On a les légions, ouais. Les légions elles-mêmes qui ont pris cher, quand même. Mais avec ce que je viens de lui mettre, ça devrait le calmer un petit peu. Ok, toi tu viens en renfort là-haut direct. Ok, parfait. Alors, nous avons 16 000 Carthaginois qui arrivent encore par là-haut. Ok, donc ici on est bon. Comme j'ai, on va déclarer la guerre sur lui. Il n'a pas d'alliés. Voilà. On va prendre direct sa truc. Et comme ça, après, on finit Carthage au sud. Oh merde. On va vite rejoindre les troupes. Alors, il y a beaucoup de monde par là. Le mieux serait de se mettre comme ceci. Pour essayer de les engager. Ah putain, on a perdu. Bon, après, on va du coup, on va engager avec les deux autres armées, sachant que... Ok, toi t'es en train de redescendre jusqu'ici, on a gagné avec eux, donc on va aller taper ces 3000 hommes qui traînent derrière là. Voilà, là, je pense qu'on leur a fait Tactical Supremacy, oh nice, Victorious. C'est qui ce monsieur? C'est juste un général? Victorious, ça donne quoi? Oh, popularité et proéminence, je vais lui faire un triomphe au passage. Yeah. Donc, nickel, on a perdu une légion, mais on a les autres qui ont pris cher quand même. Donc du coup, toi tu vas te redéployer là. On va essayer d'engager le combat avec lui si on peut. Non, je crois qu'il a réussi à s'enfuir, donc je vais essayer plutôt de choper celui au nord là. Il y a des armées de partout. Ah merde. En train de me reprendre les... Ouais. Ah, on a été... Merde, on a été défait encore. Oh putain. On va se reculer. Ouais, on a deux armées du coup qui sont en train de redescendre par ici. Parfait. Toi tu viens là. Toi tu vas sur la capitale de Carthage du coup. Toi tu continues à t'avancer ici. Et donc là, ok, on a 11 000, 15 000 hommes qui devraient pouvoir être chopés en haut. Il faudrait que je laisse mes légions se reposer un petit peu quelque part là, parce que on est en train de souffrir un petit peu de ce côté là quand même. Faudrait vraiment que tu élimines ces 8 000 hommes. Ok, on a gagné. Ok, parfait. Donc là normalement on devrait quasiment être à 100% de... contre la Maurétanie. On devrait pouvoir le... Ouais. Conquérir immédiatement. Donc là on laisse un petit peu reculer nos troupes. D'ailleurs toi tu vas revenir jusque là. Toi tu reviens jusqu'ici. Le temps que ces mecs là puissent revenir en position. Et on va laisser ces troupes là là-haut un petit peu effectivement se remettre en place. J'ai encore le même problème toujours à Rome. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça suffira pas, hein. On va rajouter un grenier supplémentaire. Donc toi t'es là. Toi je vais te mettre ici. Je vais vous laisser dans ce triangle là, comme ça. Vous pourrez vous soutenir mutuellement en cas d'attaque. Ok, donc toi tu remontes effectivement ici, voire même ici. Et alors là, où est-ce qu'on en est? Ok, ça c'est bon, c'est terminé. Non, toi tu peux carrément venir à Azama. Ok, bon, on s'en sort, on s'en sort. Ok, donc on a 30 000 hommes au sud là. On va subdiviser ça en deux, on va reprendre ces deux provinces. On est à 100% contre les Mauritaniens, ça y est, ouais. Donc Sufforpis, donne-moi tout ça. Et toutes tes thunes. Ok. Pas de quartier, très bien, donc ça c'est à nous. Après du coup, on va attendre de finir d'occuper tout ça, et comme ça on devrait pouvoir faire une paix séparée avec Carthage je pense. Histoire de le finir entièrement, Carthage. Ok, donc là on a les troupes ennemies qui sont en train de venir en renfort. Ok, ils vont vouloir engager le combat quand même apparemment. Nickel. Et du coup j'ai 38. Est-ce qu'on va arriver à les finir avant que l'autre ça? Oh yes, on a réussi. Bon, j'espère qu'ils vont réussir à tenir encore. Je vois qu'on a pas mal récupéré des forces là, donc on va s'avancer. Et on va se réavancer avec lui. Ok, donc toi tu viens là, toi tu viens là, toi tu viens là. Il nous reste 4 provinces à prendre ici. Ok, pour l'instant, aïe, 25 000. Wow, yo, 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 yo. Voilà, je vais essayer de reculer parce que là, trop de monde. Ok, si je peux faire une paix séparée avec Carthage, ce sera déjà pas mal, je pense. Ok, toi tu viens m'éliminer ces 3000 hommes si tu peux. Non, je pense que ça va pas le faire. Donc ouais, c'est toi là qui a encore combien 198 cohortes en même temps. Je peux comprendre pourquoi c'est un peu la galère quoi. On va laisser ces légions récupérer un peu du poil de la bête parce qu'elles ont 60 000 hommes normalement elles aussi. Alors, je gagnerais 3000 ou ils perdraient 4000 de loyauté. Ouais, on va faire ça. Ok, donc ça c'est bon. On a réussi à bien avancer dans leur défense quand même, mais... Ouais, donc toi, tu commences à m'emmerder, hein. 21 000 là, je vais les embaucher, ceux-là. On va en profiter pour venir reprendre ça avec eux. On a gagné contre la flotte... carthaginoise, et du coup il ne reste plus que ce morceau là. Nickel. Oh merde. Ouais, j'ai 40 000 hommes contre 30 000, ça devrait passer. Voilà, ça passe. En plus il y a une armée de carthaginoises dans le tas. Très bien, donc 2 victoires, superbe. Du coup, ouais, il y a juste à finir ça, et ça c'est déjà fini. Toi tu vas rentrer à Carthage justement. Ok, bon, comme je dis, on va faire des paix séparés là un petit peu, parce que... Ah, ils sont en fatigue de guerre assez élevée. Allez, Carthage, Carthage, j'espère que je vais pouvoir faire une paix séparée avec Carthage. Alors, Carthage, Sufforpis. Donc, hop, tu vas me donner la Tripolitaine ici, le Rutubis, ouais, Maurétanie, l'Emporia, c'est ce morceau-là, parfait. Et en fait, il manquerait juste les îles qui sont là, que je pourrais pas prendre là pour l'instant, mais tout le reste là me semble très bien. Ça va nous faire 22 d'expansion agressive. Honnêtement, c'est pas grave. me semble très bien. Allez. Voilà, comme ça, toute l'Afrique du Nord est à nous. On peut remonter avec ses troupes, du coup, au niveau du détroit de Gibraltar. Et faire traverser le détroit. Après, on est en guerre contre qui d'autre encore? Lui, là, mais... Enfin, c'est... Ouais. Si je reprends tout ça en paix séparée... Ben, il y a bien une paix séparée, donc je suis toujours en guerre contre le reste. Et je suis encore en guerre contre surtout l'Aurétania et l'autre morceau derrière là. Mais au moins... Oula ouais, j'ai beaucoup d'armées ici. On va les redéployer aux alentours. Ok, donc... Oula, merde. Oula, merde. Ouais, toi tu reviens là. Toi tu viens là. Toi tu viens là. On va regrouper toutes les troupes. Ok, on a quelqu'un qui est mort, c'était qui? C'était notre gouverneur de la région de Tripolitaine. Ah oui, non, ça c'est une nouvelle région, pardon. La Tripolitaine. D'ailleurs, toi tu pourrais peut-être rester dans le coin, non? Non. Alors du coup, la bataille ici, elle est engagée, effectivement. Ok, c'est bon. On arrive à récupérer suffisamment d'hommes pour les affronter. Hop! Ok, on a réussi à les repousser. Ok, alors là, ils ont décidé de s'enfuir du coup. Putain, tu m'emmerdes quoi. Donc on a ces 15 000 hommes derrière là. On a... Ces 15 000 hommes là qu'on va essayer de les choper avec toutes les armées stackées les unes sur les autres. On a ces trois là qui arrivent derrière. Donc on va pouvoir se concentrer uniquement sur cet ennemi. Pour le finir. Donc là ok, on a réussi aussi à regrouper toutes les troupes. Parfait. Toi tu vas venir. Voilà, on est victorieux. Nickel. Donc du coup tu vas repositionner tes troupes sur toutes ces positions là. Toi tu vas revenir par là-haut plutôt. Ok, donc toi tu viens ici, toi tu viens ici, toi tu viens ici. On va laisser un petit peu, comme je disais, à nos forces le temps de se reposer, je pense. Parce que là, on a pris un peu cher. Si on regarde d'ailleurs sur... Ouais, on n'a pas de fatigue de guerre. Comment ça se fait qu'on n'ait pas de fatigue de guerre? Elle diminue parce qu'on bouffe pas d'attrition. Et on a des soldats professionnels et des... Ok, très bien, c'est cool. Ok, encore une bataille de gagner. Bon, là, du coup, ils sont en train de m'assiéger au nord. Tu sais quoi? Je vais prendre cette armée-là et la mettre en défense des bords des frontières. Elle devrait repartir, voilà. Celle-ci, du coup, va s'approcher du reste. Voilà. Donc, toi, tu vas venir jusque-là. Toi, tu t'avances là. Et on va... Oh, putain de merde. Ça me saoule quand même. Hop, dans le dos. Et j'ai... Ok, bon après oui j'ai pas perdu l'armée mais à mon avis il lui reste pas grand chose. Ouais. On va éliminer ces 15 000 hommes là. Et on va voir qu'est-ce qu'il leur reste un petit peu. C'est quoi ce truc là? Ça c'est la fatigue de guerre. Apparemment ils ont encore 80 000. Ouais 200 rien qu'à ces deux là. Ça vient d'où ça? C'est lui là-haut il a 74. Ça vient peut-être de là quand même. On va effectivement augmenter le bonheur de notre culture à nous. Bon là ils peuvent assiéger un peu. On a une armée qui devrait leur tomber dessus sans trop de difficulté. Ok, comme ça là on va les choper là. Ouais, Carthage existe encore comme j'ai, ils existent uniquement sur ces deux petites îles. Donc on ira les bouffer plus tard. Et il va falloir qu'on stabilise un petit peu l'Empire après aussi. On va voir, on va se mettre comme ça. Ok, pendant ce temps-là, on a le reste de ces troupes qui est en train d'arriver. Ça, je suis pas en guerre contre, hein, non. On va mettre ces troupes-là en soutien derrière des autres. Après on a réussi à éliminer ce monsieur, parfait. Bon ça à mon avis ces mercenaires ils vont pour le moment pas récupérer leurs troupes. Ok, cette bataille s'est bien passée. Bon c'était une guerre assez violente quand même, hein. Pas dire qu'elle était facile celle-là. Fuck, fuck. Allez, on va s'en sortir. Ok, ça c'est considéré comme gagné. Du coup, voilà, on a le deuxième morceau d'armée qui arrive. Parfait. Donc du coup, on va continuer à avancer. Toi, tu te mets juste derrière. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets ici. Toi, tu vas t'avancer là. Oh, merde. En plus de troupes que je pensais là-haut. Tête fast, parfait. Bon, a priori, on a perdu là-haut. Après, bon... Honnêtement, contre eux, je pourrais juste leur manger un petit peu du sud, là. Bon. Ouais. Je vais essayer quand même de... sécuriser un petit peu plus, ouais, quand même. Parce que là, c'est pas beaucoup ce qu'on a pris. Allez, on va s'avancer un petit peu plus. Ok, donc on a encore 29 000 hommes qui vont nous tomber dessus là-haut. Et du coup, ouais, ceux-là, ils ont perdu. Alors, est-ce que j'avais... Non, j'avais pas d'autres armées. On a juste celle-ci. C'est quoi? On va la mettre là. Non. Tu vas venir ici. Oui, parce que maintenant, j'ai des connexions terrestres de partout. Donc, les mecs, ils veulent passer par... Ils veulent pas passer par les mers, quoi. Ils sont pas cons. Bon, ce que je vais faire, un petit break ici. Prochain épisode, on finit cette guerre contre Aurétania. Et comme je dis, je pense qu'on va lui prendre des morceaux. Parce que là, vu ce qui m'a saoulé un peu, on va le bouffer. Et comme ça, après, on s'attaquera à Mantazania. Et comme ça, on fait... On aura une bande de territoire tout le long de la Méditerranée. Sauf là. En fait, on aura quasiment réinstauré les limites de l'Empire romain d'Occident. Donc, on va s'intéresser un peu à l'Empire romain d'Orient après. S'attaquer à l'Égypte et Phrygia. Ça va être sympathique. Bref, merci à tous d'avoir suivi en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!